Eh bien salut tout le monde, c'est Cabano et aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de Marie-Ludy, l'épopée fraternelle. Il serait peut-être temps de terminer un monde. Normalement ce sera le cas aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser plein de pouces en l'eau, commenter, partager, vous abonner et let's go. Vous dites quoi là? Bah la même chose. En fait elle me donne des informations sur la mission dont je connais déjà le truc en fait. Bref, bon, on va faire la mission et après on va s'occuper de l'autre là. Parce que c'est une mission en temps limité, donc ça il est hors de question qu'on les laisse hein. Alors où elle est? Ah là. Non bah elle est pas si loin parce qu'il suffit de prendre le tuyau, d'accord. Ah mais il va falloir que je reparte. Quand je repars maintenant je viens d'arriver donc attendez. En fait faut que j'aille observer le truc. Let's go. Mais je reviendrai ici juste après hein. Vite 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 vite. Ne me faites pas perdre de temps. On m'attend, on m'attend. Une île m'attend, enfin une statue plutôt, mais... Je cours, je cours. J'ai pas le plan là. Ah. Non, ça va être trop loin. Ça c'est bien par là, je crois. Vite, vite, vite. Mais je vais trop... Oh là, je vais être trop loin. En fait, le bateau, il va trop vite. Ah non, c'est bon. Terre en vue, le pensif. Il y en a quand même beaucoup à trouver, hein. Dans mes souvenirs, il y en avait une dizaine, et ben pas du tout. Bref, allez, on repart. De toute façon, avec le tuyau, on ira vite. Par contre, il y a une autre statue de l'autre côté, mais on s'en occupera peut-être plus tard. Hein. On peut pas utiliser le tuyau de poche sur le navisme. Le tuyau, il est loin, par contre, là. Hein. Quelle mission ça va me demander? Ah, mais je me souviens de ça. Mais en vrai, les musiques, ça passe. Elles sont cool, mais je les oublie. Elles sont vraiment pas mémorables. Hein. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, que t'arrive-t-il? Ça, alors. Mais c'est Mario Luigi. Tout va bien, mes amis? Yeah. Eh bien, j'en suis fort aise. Vous savez... Le retour de l'harmonéon sur notre île nous a vraiment dynamisé. Mais ça ne suffit pas, nous devons faire encore mieux. Oui, et j'ai donc résolu de démarrer une nouvelle activité. On spiralise ses pieds, on spiralise sa tête. Là là là, on glisse mais on ne tombe pas. Mon défi des numéridales va vous clouer sur place. Tada, ouais, encore un mini-jeu. C'est ça qui servira d'accroche pour ma nouvelle ère de jeu. Irrésistible, non? Ah, c'est ça. En tout cas, il y en a un qui semble l'adorer. Les villes bestioles. Ah. Et à cause de ces villes bestioles, personne ne vient sur l'île. Berk, ces sales bêtes sont vraiment une plaie. Et elles sont attirées par la lumière. Si quelqu'un réussissait à finir mon jeu, elle comprendrait qu'elle doit filer. Je suis pas sûr, non. Je doute que même vous, Mario Luigi, viendrez à bout de mon jeu et des bestioles. Mais on va essayer. Bon, j'ai pas compris pourquoi il y avait genre des chiffres. Oh, vous voulez tenter votre chance? Eh bien, vous ne manquez pas de courage. Bonne chance pour réussir mes numéridales. Mais pourquoi c'est en temps limité ce truc? Je comprends pas bien. Bon, par contre, je vais avoir un marteau que je venais d'acheter. Mais bon, c'est pas grave. Donc, faut faire quoi, là? Hein? Ouais, ça a l'air guess son mini-jeu de merde. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Luigi? Vas-y, explique-moi tout, puisque à chaque fois, tu comprends tout mieux que tout le monde. Hey! Et donc? Ah non, j'ai compris! Vas-y, Luigi. 1, 2, 3. Ah, mais les bestioles, elles servent vraiment juste à décorer, quoi. Non! Mais il est con! Pourquoi il a fait ça, l'autre con? Arrête-toi. Hein? Merde. Non, 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 non. Il est vraiment bête. Vas-y, c'est bon. J'ai pas capté ce que j'ai fait, mais je l'ai fait et ça a marché. C'est le plus important. Félicitations! Elle a plus peur des bêtes, là. Elle s'approche quand même dangereusement. Hein. On spiralise ses pieds, on spiralise sa tête. La 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 la, on glisse, mais on ne tombe pas. Mes numéridales sont un défi pour les méninges et pour les jambes. Pas du tout, c'était nul. Bravo, vous êtes les premières âmes héroïques à avoir bravé et accompli ce défi. Extraordinaire, incroyable. Oh, nia! Comment elles ont compris qu'elles devaient partir? Bizarre. Hein. Oh, les bestioles, elles ont décampé. Eh bien, le problème grouillant est réglé. Le public va maintenant pouvoir affluer. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde qui veulent jouer à ton jeu de merde. Merci de tout cœur, voici pour vous, pour avoir accompli mon défi. J'espère que cela vous plaira. Bah ouais, je vais aller le vendre, quoi. Immédiatement. On va rien faire de plus. Ah, 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 il y a la statue. On va la voir. Let's go. Par contre, il va falloir attendre encore que le truc y fasse le tour. Je commence à avoir trop chaud. Allô?
Can I play? Merci. Donc il n'y a pas de nouvelle quête de dispo, même pas. Hein? Bon, déjà c'est trop loin, j'arriverai sûrement pas à la voir. Et je comprends pas pourquoi il veut pas aller sur l'autre zone lui. Ah parce que je dois aller parler à l'autre. Non bah non à mon avis je peux pas avancer. Je peux même pas analyser la statue là. Mais la statue vous pensez que c'est le X? Savez-vous de quel X je parle? Alors pour une fois, et c'est quand même plutôt rare, je ne parle d'aucun X en rapport avec le cul. Bon je sais pas si vous voyez de qui je parle mais... De quoi je parle plutôt? Je parle de la petite statue qui était en bas à droite. Nous verrons, ça se trouve c'est juste un bloops. XXXTentacion. Non. Non mais arrête de filer! Pourquoi il court plus vite que moi là? Te voilà. On a besoin de toi là. Oh, salut Mario, salut Luigi. On peut pas refaire des trucs ici, on a déjà tout fait. Comment, j'avais disparu? Ah désolé, je ne voulais pas vous inquiéter. C'est un endroit que je venais souvent visiter avec une personne que j'admirais. Elle m'a absolument tout appris. Oui, donc l'autre volticultrice quoi. Ça se voit, hein. Arrivé mais genre... ça c'est prévisible de fou. Hein. Cette personne m'a enseigné l'art des volticulteurs. C'est celle dont parlait Archichauve. En effet, fact. Oh, regardez! On dirait que c'est un peu les sages de ce monde en fait. Vous ne trouvez pas cette fleur jolie? Pourquoi il cache son visage en mode genre c'est un big secret? Elle est magnifique, en effet. Il y en a plein par là-bas comme elle. Je ramène celle-là à la maison. Oh, mais Amperia, si tu ramènes cette fleur à la maison, elle se sentira seule, non? Hein? Oh. Il faut la laisser ici ou l'entretenir à la maison. À toi de choisir, Amperia. Oh, Ah bah, waouh. Il était dingo ce petit flashback. Si honnête et aimable et sage et accessible. Tout comme moi. C'est mon portrait craché. Le modèle idéal en un mot. On va rallumer le grand phare. Vous et moi. C'est ce que ferait une vraie volticultrice. Oh yeah. Ah bah oui. Voilà enfin. Elle nous aura presque fait attendre là hein. On est prêt pour aller au phare. Waouh. C'est quoi ce laser de dingo? Ah j'ai hâte de voir le boss et tout. Et oui, nous avons accès à l'autre passage de la mer. Rétablissement des courants interrompus. Retour, attendez, déjà. C'est pas plus rapide en allant par là. Et après par là, je pense. Retour au navisme. Et les gens, il va falloir attendre. Ils auraient dû trouver un moyen d'accélérer le bateau. Parce que là, c'est vrai que ça me casse un peu les couilles. Je ne mens jamais. Oh! Ok. Que le grand froc... Je croyais qu'il disait que le grand froc me frite. C'était bizarre. Mais c'est tout aussi bizarre que le grand phoque me frite. C'est quoi un phoque? Phoque! Vous revoilà! J'avais quelque chose d'important à vous dire. Il y a un courant qu'on peut emprunter et qui nous mènerait à l'île du grand phare. Non! Jure la vie de ta putain de mère la pute. J'avais pas remarqué moi-même. Peut-être qu'on pourra raviver la lumière de l'Unicea et enfin phare. Plus vite on arrive au grand phare, mieux c'est. Le temps, c'est du boudin blanc. Encore du cochon. Soyez prudents là-bas. Oh, c'est vrai, j'avais oublié que des gredins s'en étaient emparés. Oh, oh, oh. Ah mais c'est pas une longue vue en fait, c'est littéralement le mec là. Je sais pas, il a l'air gentil lui, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh. Mais c'est des farfagués à l'envers hein. On dirait des petits bonhommes de Rayman. Genre les Lums. Que veux-tu? Oula, oula. C'est les gentils ça, hein, ça se voit. J'aimerais bien aller faire une petite conversion avec eux, un petit câlin. Jouer ensemble, ils ont l'air trop sympas. On ne sait toujours pas qui a pu faire ça, ni pourquoi. Restez sur vos gardes. Préparez tout ce dont vous avez besoin au navisme avant de partir. Mario, Luigi! Quoi? On se demandait comment on pourrait vous aider. Oh, j'ai une idée! Et si le navisme pouvait se déplacer plus rapidement? Avouez que ça vous fait rêver. J'en parlais.
Mais pourquoi il a l'air machiavélique, le Todd, là? Eh bien, on s'en charge, dit-il. Cette petite peste, il me fait peur, là. Plus avec ses mains. Pourquoi il est si malfaisant? Hein? Comment vous allez faire ça? Fais-moi confiance. On va prendre ces feuilles immenses trouvées à Trampofloa. Et là, il est en mode... Pourquoi il est passé de machiavélique? Mais genre, il est schizophrène ou quoi? Les plier en forme d'éventail et les agiter à toute vitesse. Ensuite, grâce à l'harmonéon, le navisme se déplacera plus vite. Enfin, sûrement. Mais je comprends pas. Tout ça grâce à nos amis Mario et Luigi qui ont raccordé les îles. Yeah. Ah, là, il est normal. Alors, s'il vous prend l'envie de fendre les flots à toute vitesse, on y mettra toute notre énergie. Ok, on va préparer tout ça. Voguez plus vite, plus haut. Faites accélérer de la vis en appuyant sur X à partir de l'écran du portulan. Lorsque vous découvrez... J'en sais rien. Excusez-moi. Mais ils vont jamais s'arrêter de parler, hein. Mario, on se disait qu'on aimerait vraiment vous donner un coup de main. Vous voulez bien nous suivre? Non. J'ai jamais le droit de jouer, en fait. Mais par contre, il faut qu'on aille là-bas. Le temps qu'il parle, en fait, les trucs filent. Mais je dois vous rejoindre où, là? Mais vous êtes où? C'est vous? Non? Si? Amperia nous a tout dit. Si vous êtes en mission pour restaurer Connexia, nous voulons vous aider. Nous ne sommes pas vraiment faits pour l'aventure. Mais nous pourrions vous servir de conseiller. Non. Et par conseiller, j'entends fournisseur d'astuces utiles et autres tuyaux fort pratiques. Oh, c'était évident? Passons. Mario, tu es niveau 10. Luigi, tu es au niveau 10. Vous êtes bien costaud. Merci, je l'ignorais. Je vais faire une vérification de votre équipement. Alors, les marteaux... vos marteaux pourraient bien briser n'importe quoi. Ensuite, les habits, voyons voir. Avec ces habits-là, vous pourrez tout affronter. Enfin, les bottes, en y regardant de plus près, vous pouvez écraser tous vos ennemis avec ces bottes. Des équipements dernier cri sont en vente sur le navisme. Si besoin, les combats sont un bon moyen d'obtenir des pièces. Si vous voulez plus de pièces ou monter de niveau, une seule chose à faire, combattre. Pour monter de niveau, vous pouvez chercher des ennemis sur les îles raccordées. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que nous avons été de bons conseils. Les gens, si on devait noter leurs conseils, vous mettez combien sur 10? Moi, personnellement, je mets moins 100. Hein. Je vais faire le tour des îles raccordées pour obtenir des informations. Si vous avez besoin de conseils sur quoi que ce soit, demandez-moi. Il demande quoi, là? Tout à fait, n'hésitez pas à nous consulter avant de partir pour une nouvelle île. Non. Eh ben, dis donc, j'ai l'impression qu'on a trouvé les rois de l'inutilité. Bref, j'ai un truc à vendre, par contre. Normalement, si je l'ai pas déjà fait. Vendre. Ah oui, oui, parce que j'en ai 3. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, on va voguer vers de nouveaux flots. Nous y voilà. Bon, donc là, par contre, je crois que je ne peux pas accélérer. Ah si? Vas-y. Il est inexploré en vue, mais je m'en fous. Continue. Continue. C'est après ça. Moi, je veux voir ça. Non, c'est peut-être un bloops. C'est peut-être pas le X. Non, stop. J'aurais peut-être dû l'arrêter, non? Ouais, c'est un bloops. C'était juste un bloops. Fausse alerte, le calamar. Est-ce qu'il y aura des bloops dans ce jeu? Probablement pas, comme d'hab. Le jeu déteste les bloops. C'est du racisme, mais bon. Ça change pas d'habitude. Allez, la nouvelle île. Oh, terre en vue. L'île du grand phare. Ah, ça a l'air stylé. Le boss. Pourquoi vous venez encore m'interrompre? En voilà une île du grand phare. Je ferais mieux d'y aller moi aussi. C'est le travail d'une volticultrice de rallumer les grands phares après tout. Partez devant tous les deux en direction du grand phare, je vous rejoins. Et elle va y aller comment? Elle va aussi utiliser le canon? Ça m'étonne rien. Elle m'a pas l'air de pouvoir faire ça. Waouh! Et nous voilà. Sur la dernière étape de ce monde, je pense. Parce qu'en fait, c'est vrai que le jeu a l'air d'être un peu... genre coupé en monde, on dirait. Waouh! Luigi! Île du grand phare, mer luxuriante. J'espère que ce sera pas très grand et il y aura vite le boss. Parce que là, j'ai envie de me fight. C'est mon rêve. Attends. D'abord, on sauvegarde. Et après, on va aviser. Je suis niveau 10?
Là j'ai bien... j'ai beaucoup moins augmenté. Après c'est vrai que c'était toujours les mêmes combats contre des ennemis nuls, donc il y avait quand même des limites. Il y a une boutique. Pourquoi il y a une porte à droite? Bizarre. Non. Peut-être parce que je peux pas rentrer pour l'instant. Par contre, il n'y a pas de farfagué ici, d'après ce qu'on a vu. Ça nous prépare, là. Ça nous prépare. Je m'en fous de la boutique. Même les équipements, je suis sûr qu'ils en ont pas de nouveau. Là, il y a un bloc caché. Non? Comment ça, il n'y a pas de bloc caché? C'est bizarre, hein. Cet endroit est bizarrement inutile. Ça me dit rien qu'il vaille. Tant pis. Ouais, c'est fermé, c'est ça? Ah non, je pourrais peut-être rentrer. Bah non, pas tout de suite. J'ai à faire. J'y vais après. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je dépense beaucoup d'argent. Mais genre, je me rembourse vite. Rapidement, je récupère suffisamment pour rattraper ce que j'ai dépensé. C'est pas mal. En fait, on est vite riche sur le jeu. Okay. Il y a des trucs là-haut encore. Yes, ça j'en avais besoin. Mais qu'est-ce que c'est que cette maison? Donc le boss, vraiment, on va le mitrailler d'attaque frère. Hein, si on peut. Peut-être qu'on pourra pas. Je me demande comment le combat va se passer. C'était un peu nul. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, quoi? Je pouvais peut-être pas passer en avant. Hein. Attendez, il y a des missions? Non. Eh, c'est bizarre, on dirait qu'on est dans un donjon. Il n'y a jamais eu de donjon dans les Mario et Luigi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va voir. Si c'est ça, c'est stylé en vrai. Par contre, genre ça a l'air un peu... oh, un peu un labyrinthe. Dommage. Mais je devrais pas garder mes PF pour les boss. Non. Je prendrai un sirop juste avant. Comme ça on continue l'objectif. Yes. Et en plus ça permet de les tuer en un coup. Let's go. Vas-y Luigi, à ton tour. Non. Wow, wow. Oh le coup de chance. C'était pas mal. Pourquoi j'ai pas sa barre de vie? Ah si, c'est quand tu sélectionnes. C'est vrai. Vas-y Luigi. De toute façon il est mort. C'est sûr. Sauf si je joue l'attaque, mais je vais pas être nul que ça, si. Bon, il est mort quand même, malgré que j'ai loupé. Ne vous moquez pas. Ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive même aux meilleurs. Enfin, certains meilleurs plus qu'à d'autres, mais bon, vous connaissez. Mais on peut casser le mur là, non? On déjà casse tout ça. Non? Le marteau, il a traversé le mur, c'était bizarre. Oh ben. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, il court à l'infini derrière moi, d'accord. Comment ils s'appellent ces trucs? Un boule épine. Mais il s'appelait pas pareil dans Dream Team? Il y a moyen, non? Ok. Je vais aller voir à combien j'en suis d'excellent parce que j'en ai marre de faire la même attaque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais attaquer normalement moi. Wouhou. Allez, on ne loupe pas s'il te plaît. En plus c'est vraiment pas dur. Hein. Comment j'ai fait? J'ai appuyé trop tôt ou trop tard? Je pense que j'ai appuyé trop tard. Hein. J'ai failli appuyer trop tard encore une fois. Hein. Adios. Bon, défi, défi. Encore 13 fois carapace rouge et 16 fois carapace verte. C'est sur des gars 44 fois. Et le truc du game over. Encore 34 combats gagnés. Si j'ai pas game over et j'ai le défi. De toute façon, je n'aurai jamais game over. Enfin, surtout que si j'ai game over, je quitte et je reviens. Donc... oh, mais... mais c'est vraiment les ennemis de Dream Team Bros? Vraiment? Là, là c'est même la même couleur. Je suis choqué. Et il fait les mêmes attaques. Pourquoi je l'ai réveillé? Quoi?
Ah ok, j'ai... Bon, pourquoi il s'est arrêté Luigi? Ok, j'ai pas saisi. Mais ouais, il s'appelle comment là? Les roupignons? Il s'appelait déjà comme ça ou pas? Je sais plus, j'ai oublié. Parce que les autres, c'est les mêmes ennemis mais d'une autre couleur. Et là, genre, c'est les mêmes mais de la même couleur. C'est marrant d'avoir fait des petites références comme ça à Mario et Luigi Dream Team Bros. Sauf que c'est pas logique. Parce que ces ennemis-là, ils existent pas dans la réalité. Ils existent dans le monde des rêves de Luigi. Donc en théorie, Mario et Luigi devraient pas les voir dans la vraie vie. Mais bon, on s'en fout. Genre, c'est logique Mario, quoi. Donc, ça aurait été plus logique si... Genre, ce jeu s'était passé avant Dream Team Bros. Comme ça, genre, il les aurait vus dans la vraie vie et après il peut rêver d'eux. Alors que là, non, c'est pas logique. Bon, ça a l'air d'être un donjon. Et pas un donjon très difficile, hein. Hein? Mario, Luigi! Mais je suis dehors là, non? T'es sûr c'est une bonne idée de me suivre? Elle va mourir, hein? Elle va se faire capturer. On a réussi à entrer! En effet, ouais. Mais ne vous inquiétez pas pour moi. Après tout, en dépit de ma taille, je suis volticultrice. C'est vrai. Va pas nous faire croire que t'as pas la trouille, Amperia. On n'y croit pas du tout. On sait tous à quel point c'est dangereux ici. Oui, je sais, mais ça ne me fera pas faire demi-tour. Pourtant, il faudrait, hein. Oh oh. Vous voyez les farfurax? Les farfugués et les... farfagués et farfurax. En fait, c'était des farfagués avant. Voilà ce qu'ils deviennent quand ils arrêtent d'être homosexuels. C'est ce qu'elle a dit, non? Voilà, c'est ça, quand les gens ils veulent pas reconnaître leur homosexualité, ils deviennent méchants et homophobes. Mais on va les sauver. Scratch, 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 scratch. Ils survivent grâce à l'énergie négative qu'ils ont réussi à conserver. Je ne suis pas étonné qu'il y ait des farfurax par ici. Sûrement parce que le grand phare est éteint. Donc j'avais raison, c'est bien des farfagués à l'envers. Je m'efforcerai de ne pas vous gêner. Je ne sais pas ce qui s'est passé au grand phare. Il faudrait que je voie ça en personne. Et je voudrais vraiment qu'il brille à nouveau. Oh yeah. Je peux jouer? On s'en fout que t'aies peur, laisse-moi jouer. Je vais découvrir le monde tout seul, il faut qu'on me le montre. Si je vous accompagne, je ne ferai que vous gêner. Alors je vais attendre ici, vous deux, soyez prudents, d'accord? Tout ça pour ça. Bref. Allez, c'est bon. Mais à quoi ça sert ça? Je peux rien faire. Pour l'instant peut-être, on verra. Attendez, il y a peut-être un truc. En vrai. Non? Vas-y. Ah non, je pensais que ça activerait un truc, mais même pas. Va falloir rétablir l'énergie d'une manière ou d'une autre. Ça paraît évident. Mais comment? Ah, c'est vaste quand même, hein. Oh! Il peut monter la marche. Je pensais qu'il allait être bloqué en bas, mais... Bon app à ceux qui vont manger. Moi, je commence à avoir faim aussi. Vas-y, boule rouge, enfin carapace rouge. On les fait, hein, il n'y en a plus beaucoup. On est bientôt au bout, les refs. La carapace rouge devrait peut-être même arrêter et attendre pour le boss, en fait. Parce que c'est surtout sur le boss que ce sera utile. Du reste, pas vraiment. Oh! Ok. Il abuse. Vas-y, sirop. Ah bah non. Bah non, c'était sur Luigi que je devais faire. Bon, je ferai sur Luigi après, c'est pas grave. Là. Quoi? Bon, je suis devenu gaze là, hein. Je suis devenu. Comme si je l'avais pas toujours été. Non, je l'ai jamais été. Arrêtez. Ah ok, j'ai compris. Mais j'ai compris trop tard. Ah non. J'ai compris trop tard. Ok. Bref, vas-y. Ils sont violents, eux, hein. Ok. Je suis pas sûr de tous les tuer, hein. Non, il a envie. C'est pas grave. J'ai besoin d'un champi, Mario. Prends un petit objet. Vas-y. Même Luigi, il est loin de son max. En fait, le timing de cette attaque est un peu bizarre.
Mais ça va, ça passe. J'attaque normal, hein. Tout de même, n'exagérons pas, c'est juste une boule épine tout seul, là. Par contre, on va refaire l'attaque sur le prochain combat. Par contre, la zone, elle est gigantesque. Mais je sais pas pourquoi, genre... Ah, mais en fait, je suis obligé d'aller à la fin et de revenir, puisque la porte, elle est là-bas. Ok, très bien. Mais par contre, Luigi est condamné à ne plus jamais pouvoir avoir l'initiative de sa vie. Le pauvre. Merde. Ok, c'est bon. En fait, je m'attends pas à ce que dès le deuxième tour, il m'attaque. C'est ça le souci. Bon, Mario, tu peux encore faire une fois. En fait, je vais le faire jusqu'à ce qu'il ait plus de... Bah, de toute façon, il aura plus de PS, donc tant pis. Et après, on en fera contre le boss. Et coup de chance. Vas-y, Luigi, à ton tour de nous faire rêver. Avec la carapace verte. Ça fait rêver de fou, hein. Pourquoi elle coûte plus cher que celle de Mario? Alors qu'elle fait moins mal. Peut-être parce qu'elle attaque tout le monde. C'est considéré comme plus efficace. Vas-y, Luigi. En plus, tout le monde est mort. Bon. Oh, double augmentation de niveau. Et j'aurai pas le prochain, enfin, le rang avant le boss. Hein. Ça m'étonnerait que je fasse 4 niveaux maintenant. Mais j'ai l'impression qu'ils ont des stats complètement gaze. Ils sont même pas à 50. Ils ont aucune stat qui est à 50. Ah si, Luigi va avoir... Ah ouais, 53 PV, très bien. Et la moustache qu'augmente encore et encore. Je surveillerai ma jauge si je veux. Bref, aventure, défi. 10 fois carapace rouge et 13 fois carapace verte. Je sais pas s'il y a d'autres trucs intéressants. Si, les objets c'est où? Ouais, encore 9 fois, ça va, ça va. Ça va faire des objectifs bientôt terminés. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. Mais les sauts de Mario, ils sont nuls. Très bien. Donc là, j'attaque normalement, c'est bon. Bon, j'utiliserai sûrement pas la carapace 10 fois contre le boss. Mais j'ai quand même l'utilisé quelques fois, c'est sûr. Ah merde. Dommage. C'est quoi ça? Oh! Ok. Maintenant, je fais plus trop de combats sans prendre de dégâts, c'est dommage. Parce que c'est l'un des objectifs, hein, tout de même. Hein? C'est une blague? Donc en fait, Mario... aurait... Bon, je me suis loupé. Mario aurait dû redonner des PF à Luigi. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Mais j'ai pas beaucoup de sirop. Faudrait que j'en rachète. Ok, c'est bon. Pfiou. On est sauvé. En fait, c'est au moment où il part qu'il faut sauter. Ah mais je suis peut-être pas obligé de le réveiller en fait, si je le réveille pas je peux lui faire des dégâts. Bah sinon au moins il me touche pas quoi mais... Vas-y. Mais tous les coups de chance là. Je pense qu'ils sont tous morts. Hein. Enfin j'espère surtout. Tous en mode il y en a 3000 alors que... Il y en a que 2. Et merci pour le fric. J'ai combien d'argent là? Je sais pas, ça me dit combien d'argent je gagne mais pas combien j'en ai. Flopesque. Qu'est-ce que... Non, on verra après ça. Et là, il n'y a rien. Y a un... Ah non, c'est un passage, ok. Mais il me reste 2 ennemis à buter. Il est super rapide, lui, c'est une blague. C'est chaud. Mais Luigi, il faut encore que je lui donne des PF. Comment ça, Luigi, il a si peu de PF? C'est quoi cette blague? Ça me paraît vraiment bizarre. Parce qu'il avait l'air bon le petit sirop. Carapace verte. Je suis pas sûr que je les tue tous par contre cette fois. Yes. Comment il fait ce mouvement Luigi avec sa carapace? Il est trop fort hein. Il est pas si fort que ça dans Mario Football. C'est bon. Cette fois je me suis pas fait avoir. Par contre, je sais pas trop pourquoi j'ai sorti le marteau de tout le monde, mais on sait jamais. Vaut mieux prévenir que guérir, hein, comme on dit par chez moi.
Alors, la dalle, allons voir ce qu'elle fait. Ah mais c'est pour tout allumer, non? Ouais, mais on s'en fout un peu, non? S'il y a des trucs à gauche. C'est pour avoir un objet. Moi, je vais chercher l'objet. Mais par contre, genre, il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Genre, c'est une folie. Il y en a énormément. Je sais pas où donner de la tête. Après, je pouvais l'esquiver, mais je veux réussir le truc de la carapace. En fait, les défis, là, je les trouve contre-productifs, en fait. Ok, let's go. Vas-y, Luigi. Parfait. Ça sert à quoi là-haut? C'est pour aller de l'autre côté. Non mais on va skip les ennemis là. Genre ça je veux bien le faire, mais alors tous les ennemis à pic, non. À un moment il y a quand même des limites à ce qui est acceptable. Il y en a beaucoup trop. C'est pas possible hein. Vraiment hein. Bon bah redonne un sirop à Luigi. Merde. Luigi n'a pas le droit d'avoir de PS. C'est surtout qu'il en a que 18 max et ça coûte quand même 5 l'attaque. Donc j'en fais 2, il peut déjà plus faire. Si je tue tous les ennemis, j'augmente encore de niveau. Mais je ne vais pas le faire. Défi, on en est où? 10 fois, 8 fois, 39 fois. Porte-clés chance DX, ça a l'air pas mal. Hein. Les objets, c'est bientôt fait. Mais en fait, on a bientôt fait plein de trucs en fait. 300 ennemis sans équiper d'objets, ouais, ça... On fera un jour, hein, on verra, mais... Ça paraît extrêmement difficile. Enfin, pas difficile, mais long, quoi. Bon, vas-y, Luigi, je te laisse t'en occuper parce que moi, je suis nul. Ok, maintenant, eux, on les skip, il y en a marre. Vas-y. Ok. Surtout qu'il y a vraiment rien en bas. Je sais pas pourquoi je perdrais du temps là-bas. Par contre, les Farfurax, ils font rien. Genre, ils décorent. Non. Alors, c'est l'autre que je voulais avoir. Mais ça marche aussi. On aura bientôt fait quand même 50 des coups de chance sur les 250 qui nous sont demandés. Hein. Comment ça, il survit, lui? Parce que j'ai pas réussi à faire ma contre-attaque. Bon, l'autre, j'aimerais bien ne pas le tuer, mais en vrai, il va être chiant, surtout que j'ai un bloc à récupérer, donc je le fais quand même. Oh! Pas mal. Il faut que je réutilise encore un sirop. Mais c'est bien, on aura bientôt fait plein de défis. Non. Et il faut que j'en rachète. Je sais pas si je pourrais sortir avant le boss. J'espère bien. Oh non! Je dis que c'est facile et juste après je me fais avoir. Après c'est Luigi, il est nul. Il sait pas faire de contre-attaque correcte. Alors là je crains qu'il y en ait plein qui survivent. Hein. C'est pas évident. Oui, c'est un tantinet beaucoup. Ah merde. Ok, c'est bon. Mario. Par contre Mario il a vraiment confiance hein, parce que Luigi il suffit qu'il fasse un faux pas et il donne le coup de marteau dans la tête de Mario. Et ça bah c'est mortel quoi. Oh je suis pas venu ici pour rien. C'est quoi ça? Bon, 7 points d'attaque de plus. Non c'est bien, c'est bien. On peut mieux faire mais c'est quand même pas mal. Ça va. Alors maintenant il va falloir aller de l'autre côté. Et on tournoie. Ça, ça rappelle vraiment les anciens Mario Luigi. Sauf que ça nous arrête plus sur la tornade. C'est dommage que ça nous arrête pas pour nous booster. C'était marrant quand ça faisait ça. Ok. Là ça bouge ou pas ça? Oui c'est bon. Pourquoi il y en a un là-bas? Il sert à quoi? Ah il y a un truc. Vas-y. Mais pourquoi il nous a suivi, l'hôtesse sert littéralement à rien. Je la hais. Mmh.
J'aurais peut-être dû aller sauvegarder en vrai. Mais non, on est trop fort. Bon. Merci. Par contre, c'est bizarre quand même. Genre, un ovni, ça utilise de l'essence. Enfin, pas du vent, quoi. Enfin, étrange. Vas-y, Mario. Ah, donc je peux aller sauvegarder. J'en ai pas besoin. Tout va bien aller. Vous en faites pas. Je vais regretter. Est-ce que j'ai déjà un de mes persos qui est mort depuis le début? Mario Luigi, je savais que vous réussiriez. Je crois pas. Hein. C'était sur Paper Jam que j'ai plusieurs fois des persos qui sont morts. Mais sur ça, je crois pas. Je sais plus. Ok, merci pour les deux pièces. Ça m'a même pas affiché combien j'en avais. Qu'est-ce que tu vas encore me dire, toi? Mais ça suffit! Ah, rien. Rien du tout. Elle était vraiment là pour faire acte de présence. J'ai 1108 pièces! C'est une dinguerie. Et donc, ça sert à quoi? Ça a juste récupéré plein de pièces? Elle met quand même 50 à la fin, donc c'est plutôt pas mal. Ne nous plaignons pas. J'ai pas peur d'avoir game over, là. J'ai surtout peur qu'il y ait peut-être un crash. Imaginez. Non! C'était sur Zelda que j'avais eu un crash. Echoes of Wisdom. Le truc complètement étrange. Et aussi le bug graphique, là, c'était bizarre. Hein. Oh oula. Il va y avoir le boss. Par contre, laissez-moi partir. Vous avez entendu ça? Ça vous semblait venir de là derrière? Non, j'ai rien entendu. Oh, il y a un bloc de soins. Vous croyez que c'est la créature qui s'emparait du grand phare? Excusez-moi, vous seriez pas... Quelqu'un de bavard encore? Oui, si, c'est bien quelqu'un de bavard, t'as raison. Enfin, je veux dire, vous êtes dans un grand phare qui grouille de monstres. Et donc? Alors n'en dites pas plus, je sais pertinemment qui vous êtes. Des guerriers qui se battent pour éliminer tous les monstres! Non. Oh, je me suis laissé emporter, pardonnez-moi. Nous sommes des plombiers qui se battent pour éliminer tous les monstres. Ah, vous rallumez le grand phare, un acte digne des grands guerriers. Je m'appelle Lucas Tanier. Le Castagneur. Je passe mon temps à étudier les monstres au mépris du danger. J'ai entendu qu'un monstre très dangereux était ici. Je suis sûr que vous avez entendu son terrible hurlement. Oui, terrible, terrifiant même, il doit être très dangereux. Mais s'il a peur des monstres, pourquoi il les étudie? Moi-même, pour être honnête, j'en ai la chair de poule. Pour vous dire, j'ai envie de le voir, tout en redoutant notre rencontre. Moi, je vais y aller, t'inquiète. Tout ce qu'il faut, c'est ouvrir cette grille. Oui, on va y aller, pas la peine de le dire, Luigi est d'accord. Vous allez chercher un moyen d'ouvrir cette grille? On connaît, il faut les prises. Le monstre plus loin s'appelle Gobéphare. Vous comptez y aller? Soyez très prudent. J'y vais, mais attendez. D'abord, si je peux aller chercher du sirop, ce serait pas mal. Ça me ramène où, ça? C'est long à charger. Hein. Ah bah, à côté de la boutique. Mais attendez, mais c'est nickel chrome, tout ça. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Alors, objet, sirop, et on en achète plein. Bon, j'ai peut-être pas me... Ouais, ça va, ça sera toujours utile un jour ou l'autre, voyons donc. Ah, mais j'ai un équipement que je peux revendre aussi. Vas-y. Vu que j'ai mis un autre marteau à Mario. Très bien. Ça m'a pas remboursé, mais c'est quand même pas mal, j'ai presque 1000 pièces à nouveau. Ça, j'imagine, sera pour passer de l'autre côté, mais je veux terminer mon défi avec Luigi. Avec Mario, on verra contre le boss, mais avec Luigi, ça va être facilement faisable, normalement. Ok. Attendez, c'est Luigi qui a joué en premier? Non! Si! Mais... J'ai rêvé ou c'est Luigi qui a joué en premier, là? Mais c'est pas logique. Bah attendez, mais non, mais c'est pas normal. Luigi n'est pas censé être plus rapide que Mario. Il y a un truc bizarre. Ok, bon, je sais pas ce qui se passe, mais... Luigi n'est pas censé avoir plus de vitesse que Mario. Il a jamais eu plus de vitesse que Mario, c'est étrange. C'est un équipement que j'ai mis. Enfin, je vais aller voir après, mais c'est très bizarre. Merde, bon, ok, très bien. Allez, Luigi, termine-le. Luigi plus rapide que Mario, ça n'a aucun sens. Ah bah, on pourra pas... Attendez, attendez. Donc à la base, Mario, là, il avait combien de vitesse? Il avait 38. Bon là il passe à 41, mais il avait 38. Et Luigi? On a compris.
32. Mais il y a un bug. Luigi, il a 6 points de vitesse de moins que Mario. Et il attaque en premier. Ça n'a aucun sens. Ok. Je sais pas, c'était bizarre. C'est un petit bug. Sauf qu'il y a aucun ennemi qui a changé les stats. C'est un bug. C'est littéralement un bug, là. Genre, on peut pas faire autrement. Hein. Et là, ouais, c'est rétabli. C'est Mario qui attaque en premier. As God intended it. C'est pas bien, je sais pas le dire. Allez, Luigi. On va bientôt avoir tous les excellents. Ah, j'ai hâte. Luigi, tu triches? Mais que t'arrive-t-il, mon garçon? C'est vrai. On dirait vraiment qu'il triche, là. Hein. Ah, mais c'est vrai que, par contre, je peux utiliser la carapace de Mario, puisque de toute façon il y a un bloc pour gagner tous les PF à la fin. Donc allons-y. Yes! Luigi doit rester après 6 fois à le faire, je pense, un truc comme ça. Oh oh, il y en a une. Ah, c'est pour échanger. Ouais, parce qu'il n'y a rien de plus par ici. Vas-y Luigi, je te laisse faire. Moi je m'en vais. Bon bye. Non! Je voulais abandonner. Descends. Non, il veut pas. J'ai pas pu abandonner Luigi. Malheureusement, projet avorté. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? On pourrait croire qu'il y a un bloc caché ici, mais non. Il y a un truc que j'ai cassé peut-être. Je sais pas. Vas-y Luigi. Tu veux pas mettre? Ouais, si c'est... Bah, bon, ok, donne-le moi, vu que tu veux pas. Hein? Voilà, c'est bon, c'est branché. C'est vous, vous êtes branché, les refs. Non, j'ai pas le choix d'où je veux aller. Enfin, d'où je peux aller. Je sais pas, c'est bizarre, genre la porte et tout. Ah, ok, je comprends. Ça va être fermé. Je suis obligé... Quoi? Il y a encore une prise? Ok. Je comprends. Prendre la prise et revenir. Ouais, les animations sont trop belles. Toi, t'es broché. Il y a quoi, t'es broché? T'es embroché. Branche-moi ça. Par contre, ils sont vraiment inutiles, les deux, là-bas. Hein. Et le gars, c'est un expert des monstres, mais il me débloque même pas un bestiaire. Je suis outré. Oh! Ouais, on les voit de temps en temps, les blocs cachés, mais... J'espère qu'ils comptent pas dans le 100%. Bah, sinon, on les fera, hein. Le jeu a pas l'air d'être si vaste que ça. Genre c'est long parce qu'il y a des combats et tout, mais quand tu vas dans les zones que t'as déjà ouvertes, genre j'ai l'impression que t'as pas trop... C'est pas trop la galère en fait de faire les trucs. Attendez quoi? Vas-y. Mm-hmm. Je lui dis plus que 4 fois! 4 fois et on est bon! Non. Donne du sirop à Luigi comme d'hab, hein. Tu sers qu'à ça, Mario. Mario c'est un donneur de sirop à Luigi. Allez Luigi. Ah par contre je devrais me soigner en fait. Genre c'est un peu con ce que je fais là. Ok. J'espère que ça va être autour de Luigi là. Yes. En tout cas Luigi a plus de vitesse que les ennemis, ce qui est bien. Par contre il va y avoir plein d'ennemis encore en vie, hein, ça c'est sûr. Déjà celui à droite il a pris aucun dégât, donc à moins d'un coup de chance il reste en vie. Ouais non. Oh yeah. Cette attaque, j'ai l'impression qu'elle est même plus dure à éviter que sur Dream Team Bros. Genre le timing, il est serré. Au début, c'est super rapide. Et après, il ralentit. C'est ultra perturbant. Donne à Luigi. J'ai bientôt utilisé tous les objets. Il doit m'en manquer plus qu'un, je crois. Vas-y, Luigi. Le truc complètement inutile. L'ennemi devait lui rester 12 PV. Hein. C'est toujours pas validé? Sûrement bientôt. Mais ça tarde! Bon, là, on a eu tous les ennemis ici. Il y a ça là-bas. Il n'y avait pas un bloc caché par ici? Non, ils aiment pas la symétrie. J'ai cru, mais non. Ils aiment pas la symétrie. Il y a une porte. C'est par là que je dois aller? Attendez, c'est bizarre. Voilà, c'est bloqué.
je vais aller prendre la porte. De toute façon, le jeu, comme je dis, il est tellement bien fait que généralement, quand t'as ouvert toutes les portes, tu peux naviguer un peu partout, genre facilement. Genre, c'est pas un casse-tête comme dans certains autres jeux. Genre, tu dois pas réactiver des mécanismes. Donc c'est plutôt pas mal, ça. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Là, j'imagine que je dois demander à Luigi d'aller activer le mécanisme quand je suis sur la plateforme. Probablement. J'espère. Yes! Défi accompli, bazar! Et j'ai un haricot défense et des champignons up. Comment on a d'autres haricots? Genre, tous les haricots du jeu s'obtiennent pas via les défis, si? La question, c'est qu'il y en a pas beaucoup, hein. Peut-être. Parce que pour l'instant, j'ai vu aucune autre mécanique qui permettait d'en avoir, donc... Let's go! C'était peut-être la dernière attaque! Yes! Pro de la carapace verte! Ok! On pourra la refaire de temps en temps, mais on n'est plus obligé de la faire pour avancer. On lui dit, faut qu'il aille. Moi, je reste là. Bah, vas-y, non? Hein? Bah, donne un coup de marteau! Ah, faut que j'appuie sur Y. Ok, vas-y. Au revoir, Luigi! A plus, mon bro! If Mario, then only bro. Maintenant, je t'abandonne. Débrouille-toi. Non! Il essayait de me rattraper, j'ai eu trop peur. J'ai remontré mes pieds, mais j'ai jamais montré mes pieds si. Ah si, je l'avais fait une fois en live parce qu'on m'avait demandé. S'il y a 4 subs, je monte mes pieds. Ouais, ça a l'air d'être un peu grand tout ça. Deuxième prise, droit devant. Alors, la porte est ouverte, mais faut quand même réaliser tout ce truc là. Y a pas d'ennemis? Tant mieux. Pour une fois, tant mieux. Comment je vais monter? Ah mais l'interrupteur est là en fait. Je suis con. Par contre, je trouve que c'est une bonne idée là, le fait de laisser Luigi à certains endroits pour qu'il fasse ses trucs. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, je commence à aimer un peu plus le fait que Luigi et Mario puissent être séparés. Il y a quand même des moments où c'est un peu nul. Mais là, ça va, c'est plutôt malin. Qu'est-ce qu'il y a ici? Par contre, l'icône de Luigi, elle est tellement gigantesque. C'est une folie. On peut rien voir. Hein? Mais où vais-je? Ok. Luigi, allez, tape! Mais attendez, mais je suis allé là juste pour récupérer des pièces. Je me fous de la gueule du mondo ou quoi? Je tape. Comment je vais y aller en bas là? Je pense d'ici. Vas-y Luigi. Ouais, le timing n'est même pas vraiment serré. Bon, il n'y a même pas de timing, on va dire juste ça, d'accord. Ok. Oh! Bon, là, il y a un peu plus d'un timing à respecter, merci. C'est tout de même pas bien difficile! Et nous y sommes. Mais là, Luigi, par contre, il est tellement loin, le pauvre. On le reverra plus jamais. Hein. Ah là, il va revenir. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Quoi? Hein? Régiment de Volteface, Memo 4. Nous sommes les instruments de la. Volonté de Sir Volteface. Quiconque se plaint sera privé de goûter. Il y a encore des trucs écrits en petits caractères. Mar mar mar. Pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, pas de dîner. Et ils osent encore me piquer mon précieux goûter. Trop c'est trop, je t'ai mis. Ok. Donc là c'est l'un des méchants. Bizarre. Vas-y, récupère ça. Luigi, je sais pas si tu pourras récupérer l'autre. Ce serait pas mal sur la route là. C'était où? C'était ici? Non Luigi, tu veux pas en fait. T'es con ou quoi? Vas-y. Ah, on a le droit d'en soulever qu'un à la fois. Non mais c'est une blague. Ils sont deux. Ah non c'est bon. Ah c'est... Ok, c'est parce qu'il était branché. Et donc il fallait de l'énergie pour le débrancher. Genre fallait être à deux. Okay. C'est pas illogique. Vas-y, donne. Puisque Luigi par contre ne sait pas faire rentrer les prises comme papa dans maman. Ça se voit que Mario lui il a l'habitude... Avec Peach, mais avec Luigi il est un peu plus saut, il sait pas rentrer des trucs dans des trous. Mario Luigi c'est génial.
La voix est libre. Je... Ah bon? Non, jure la vie de ta putain de mère la pute. Wow. Bon, faut que j'aille me soigner, sauvegarder, tout ça. Ouah. On n'a plus qu'à continuer. Oui, ça fait pas peur du tout, tiens. Le boss, le boss, le boss. J'ai hâte. Après, Luigi, c'est le petit frère, donc normal si c'est le dernier à perdre sa virginité. C'est, enfin, normal. Des fois, c'est à l'inverse, mais c'est pas si illogique. Waouh. C'est une plante. C'est la plante piranha du jeu. Oui, c'est bien. Comme moi, tous ces jeux te farfurax. Délicieux, hein. Donc, eux, c'est le quatuor des méchants. Il faut accumuler le plus d'énergie négative possible. Sir Voltface sera fier de nous. Nous sommes de parfaits instruments de sa volonté. Ils sont bons, les farfurax, hein. Nous voilà. Qui va là? Mario et Luigi. Les bros. La pose de Luigi, il est vraiment déterminé. Par contre, ce qui est marrant, c'est que dans ce jeu Mario et Luigi, ils ont pas l'air... surtout Luigi, il a pas l'air, comme on dit, genre peureux. Pour l'instant, on n'a pas vu de phase où il était peureux. Et ça, c'est pas mal, parce que moi, ça me casse un peu les couilles de voir Cheval Luigi qui se chie dessus, alors que c'est bon... c'est drôle de temps en temps, mais quand ça dure tout le jeu, c'est un peu chiant. Et donc là, le voir courageux et tout, c'est cool. Vous devez faire partie de cette résistance dont Jonk a parlé. C'est qui ces guignols? Vous voudriez bien savoir, hein? Oui, on voudrait. Vous êtes qui? Et qu'est-ce que vous faites dans le grand phare? Comme si on allait vous expliquer quoi que ce soit. Il allait tout expliquer, l'autre. Mais j'ai autre chose pour vous. Gobé phare. Maintenant que tu t'es gavé de farfurax, montre-leur toute ta puissance. Nous trois, on a plus important à faire. Mouhohohoho. Les poses qu'ils font, on dirait un gars de Jojo là, le violet. Yeah. Mais attendez, mais en fait je vais pas pouvoir utiliser la carapace parce que genre il faut lui sauter dessus, ça se voit. Il y a l'icône en gros. Let's go. Oh. Non! Ah! Ok. Un peu gaze le type. Hein. Moi, je peux quand même utiliser la carapace, non? On va voir combien de dégâts ça lui fait. De toute façon, la vie est faite d'expérience. Et surtout que c'est pas inutile puisque de toute façon, ça augmente l'objectif. Yes! Vas-y, 150 points de dégâts! 111, c'est quand même pas mal. Hein. Je m'attendais pas à tout ça. Vas-y, Luigi. Ouais, bon. La carapace est plutôt utile. Oh! Ça n'a pas l'air si dur, mais. Genre, faut savoir quoi. Mais comment tu sais si le truc il va. Genre, j'ai du mal à capter s'il faut sauter ou pas. Je pense que c'est par rapport à ses bras, mais... Chaud un peu, hein. Vas-y, vas-y. Allez, Mario! J'ai bien fait de garder la carapace rouge pour ce moment. Et la carapace verte, pour le coup, effectivement, ne servait pas à grand-chose. Yes! Tornade de feu! Il y a la tornade de feu 2.0. Luigi, on dirait qu'il fait rien du tout par rapport. Peut-être que je sois de Mario, par contre, non? Oh oh, Luigi il va avoir une idée de génie là. Attendez. Quoi? Eh? Je fais un effort Kirbendo quand même. Hein. Wow! Oh j'étais trop bon. Parce que là j'étais mort. Hein. Ouais. Et Luigi va soigner Mario. On va faire comme ça. Parce que les dégâts quand même sont pas comparables. Hein. Mario il fait tellement plus mal au boss. Combien il va lui rester de PF à Mario? Et sinon on donne le bonbon. Même le bonbon c'est peut-être pas assez. Ça donne que 30% je crois. Oh Mario il en a encore. Ah non bah non. Bah non en fait. Désolé mon pote. Mais on va pas utiliser ton pouvoir maintenant. Più tardi. Champignons. Ah les super champis, ils sont faits pour être consommés. Oh non. Okay. En fait c'est le bruit. Oui c'est le bruit. C'est le bruit.
C'est le bruit qui dit tout. C'est plutôt malin. Un ennemi où le truc se base sur le son, c'est plutôt original. Je m'en fous des pièces. J'ai abandonné d'essayer de les rattraper. Vas-y. Yes. Ouf. Allez Luigi, fais ton coup de génie là. Qu'est-ce que tu vas me demander? Oula, 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 oula. T'énerve pas comme ça ma grosse. Vas-y, qu'est-ce que tu veux là? Ouais, vas-y Mario, aide-le. Je dois faire quoi? C'est quoi les boutons? Je vais appuyer sur B au bon moment. Oui. Oh, let's go. So long, et plante. Vu que c'est pas Bowser. Comment il s'appellerait en anglais, je sais pas. So long, Gobé. Attends, Gobéphare. Attends, comment il s'appelle? Gobéphare. So long, et Gobéphare. Je pense que les critiques, c'est que pour les sauts, hein. Y a pas besoin d'essayer de faire la super attaque. Sinon, on la refera juste après. Mario a assez de PF, c'est bon. Let's go! T'énerve pas. Mais c'est pas ton tour! T'as gagé ton tour pour apparaître, enfin pour te réveiller normalement! Ah ouais. Hein? Jusqu'au bout, hein. Et je le hais. Vas-y, vas-y. Comment ça marche ça? Ah, c'est bon. J'y suis. Mario, ce serait peut-être le temps quand même de lui redonner. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Bon, juste après ça, on se laisse et on continuera ce soir. Hein. Même les attaques frais, ça fait critique. Ah bah ok. Je saurai la prochaine fois. Donc ça fait la même, mais en plus de dégâts, quoi. Oula, oula. Bah non, Luigi, debout. C'est la première fois que je le vois tomber. Ok. Altération de statut. Ah mais en fait genre j'avais tellement jamais arrivé que le jeu il me le montre maintenant quoi. vas-y bah pff. Ouais non allez on continue. De toute façon c'est bientôt terminé là. Ouais 5 heures de live mais on continue tout à l'heure. Vous n'en faites pas. Yes. Vas-y Luigi. Ah bah non, non. Le timing il est serré. En fait ouais non le timing il est chaud. Vas-y, ah mais il est mort de toute façon. Ah mais je crois que ça fait pas de dégâts cette attaque. I got it. Ça me tue comment Mario au début il laisse Mario y aller tout seul. Genre en mode débrouille toi. Et Luigi dit non mais quand même so long et oh. So long rien du tout, je me suis ramassé. J'étais trop nul. Non mais il va mourir là. Je vais mourir vu qu'il attaque. Ah ah j'avais oublié. Merde. Ok. C'est pas le moment de mourir hein. Là le combat il est gagné. Ok ok. Peut-être que ça va être la dernière fois que j'ai besoin de faire cette attaque en plus. Parce que je l'ai fait énormément de fois là non. Yes. ~122 points de dégâts, j'ai l'impression que j'en faisais plus. Mais ouais en critique j'aurais fait 150, 160. Bon, en tout cas il était stylé ce boss. Mais là, pour le coup, je dois quand même bien dire que le jeu est plus facile que les autres. Pour l'instant. Mais parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que les autres, même quand je les refaisais, ça m'arrivait de mourir. Là, pour l'instant, je suis toujours pas mort. Stylé, mais facile pour l'instant. On verra alors. Bon, en tout cas, j'ai eu des bottes gobéphares. Je sais pas ce qu'elles font, mais... Oh, yo, yeah. On attend le... Genre, le dialogue. Et après, on se laisse. Eh mais on a encore eu des phares fagués. Et pourquoi? Là on va peut-être enfin savoir ce que ça fait. Pour le phare. On a récupéré un joli paquet de phares fagués. On dirait qu'il parle de rillettes. Et on fait quoi avec? Tu demandes? Bah oui. Je me demande ça depuis 4 heures de jeu. Je me suis creusé le cerveau-là et de toute évidence je vais bien trouver quelque chose. Ah mais il a toujours pas trouvé. Ok. C'était qui ces trois là? Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Sûrement un truc diabolique. Tu as raison, on doit sauver le grand phare. Bien dit. Vous avez obtenu la note de Patriarche 1. C'est qui Patriarche? Ah, c'est le papa de...
de archi chauve. Hein, c'est quoi cette note? Un trio des plus louches se démène à rassembler tout un tas de farfurax. Qu'est-ce que c'est gouni... Mais pourquoi ils utilisent toujours des mots d'un vocabulaire qu'on ne connaît pas? Qui connaît le mot gougnafier? Qu'est-ce que ces gougnafiers comptent-ils bien faire de ces vilaines bestioles? Combien de farfurax il nous faut? Je sais pas, moi prends-les toutes. Je consigne tous ces faits hautement suspects en espérant qu'ils serviront à un héros. Patriarche, témoin historique. Est-ce que Patriarche serait... Ça a l'air important. Ok, je m'en souviendrai. Jetez-y un œil dans les leçons couchons dans Option Guide. Mais donc, il nous a toujours pas dit ce qu'on peut faire avec les... Les farfugués. Enfin, les farfagués. Nous saurons peut-être un jour. Hein? Attendez, je dois juste sortir d'ici, là? Attends, non, comment ça doit... Ah, mais non, mais là, je vais aller l'allumer. Mais oui, on monte. Île du grand phare de la mer luxuriante. Ok, elle va enfin faire son taf. Mario Luigi, par ici! Non, non, je voulais rester ici pour toujours. Et juste te regarder faire. Oh, oh. Il y a des trucs de... Ah non, on peut pas aller sur le côté. Comme ça, quand on reprendra ce soir, on ira au monde 2. Je pense qu'on a terminé le quart du jeu. Peut-être même le cinquième. Puisque j'imagine que quand on a les 4 trucs, genre, il y a le dernier monde. Donc, à mon avis, on est entre le cinquième du jeu et le quart. En 6 heures de jeu. Ce qui est énorme. Normalement, les Mario Luigi... Ça dure entre 10 heures pour le plus court et 17 heures pour le plus long. Là, c'est vraiment le Mario Luigi le plus long qui ait été fait jusqu'à maintenant. Bien, je vais relancer le flux d'harmonéon avec cet arrosoir. L'eau et l'électricité, ça fait pas bon ménage, hein. Les gens ne reproduisaient pas ça à la maison. Si jamais vous avez un appareil électrique qui ne fonctionne pas, vous ne prenez pas l'arrosoir, vous ne mettez pas d'eau dedans. Non mais ça, pour le coup, c'est vrai, comment ça, mais Nintendo, ils ont pas pensé? Genre, elle sort un arrosoir pour un truc électrique? Non, non, je rigole même pas, non, ne faites jamais ça, hein. On met pas d'eau sur un truc électrique. J'espère que je vais y parvenir, je dois avouer que je doute un peu de moi-même. Bah, elle va crever, elle va mourir, là, elle va s'électrocuter. Après, c'est une prise électrique, elle peut pas s'électrocuter, mais... Depuis le départ de ma tutrice, je m'efforce de remplir mon rôle de volticultrice. Brille éclatante lumière. Illuminons la voie du renouveau de Connexia. C'est pas de l'eau, c'est du jus de pomme. Ah pareil, hein, mettez pas de jus de pomme dans... Ne mettez quasiment... Il y a quasiment aucun liquide qu'on peut mettre dans... Enfin, genre dans une prise. Il y a peut-être des liquides qui existent qu'on peut mettre dans une prise, mais ces liquides-là, je déconseille rien que de les toucher ou de les sentir, parce que c'est probablement des trucs ultra toxiques. Ou alors ultra chaud. Genre, bah non, les métaux liquides, faut pas, parce que genre, dans tous les cas, c'est conducteur aussi. Non, non, mettez rien de liquide sur du courant électrique. Et de toute façon, quasiment tous les liquides qu'on a, il y a de l'eau dedans, donc... Vous connaissez pas les histoires des gens qui pissent? Genre, des mecs, là, qui pissent sur les... Vous savez, autour des enclos de vaches, là, il y a des enclos électriques, souvent. Bah, apparemment, moi, j'ai jamais essayé. Mais apparemment, si tu pisses sur l'enclos, si tu pisses avec un jet suffisamment fort, genre, tu t'électrocutes. Alors, attends, c'est pas un électrocution qui te tue, hein. Genre, ça peut pas tuer une vache, ça peut pas te tuer, hein. Même tu peux toucher avec tes doigts, ça va te faire mal, ça te tue pas. Mais genre, si tu pisses dessus, tu vas vraiment avoir, genre, une décharge dans ta bite, quoi. Donc, apparemment. Je n'ai pas essayé, mais évitons. Et voilà. On ouvre le prochain monde. On m'a toujours dit que c'était vrai, mais j'ai jamais voulu essayer parce que je me suis dit, si c'est vraiment vrai... Mais ça se trouve c'est faux, mais si c'est vraiment vrai, j'ai pas envie d'essayer, hein. Genre. Mais en théorie, si t'es suffisamment prêt et qu'il y a suffisamment de pression, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Faut juste que ça fasse un flux continu, quoi. Je vais pas vous faire un dessin. Waouh. On a séparé la mer en deux ou quoi? C'est Moïse? Et c'est parti. Alors là, c'est littéralement Grand Line. C'est One Piece, hein. C'est vraiment Grand Line pour le coup. C'est vraiment une grande ligne. C'est le vrai Grand Line. Un cinquième du jeu alors que c'est la partie la moins longue. Ah donc pas un cinquième alors. Ok d'accord. On verra. Après je crois que c'est surtout long parce que ça parlait. J'espère que ça parlera un peu moins après, hein. Genre si les niveaux sont plus longs mais que ça parle moins, moi ça me va, hein. Bon.
Je voudrais bien vous laisser maintenant, mais je ne peux pas, puisque ça va là, parler. Ah, salut Archichauve, content de vous revoir. On est arrivé à la mer barbouillée. C'est si palpitant que j'en perds mon latin. Oh yeah. Ça a vraiment marché. Mario, Luigi, grâce à vous, on arrivera peut-être à ramener le monde à la normale. Tu pouvais pas nous le dire à voix haute? J'aimerais tellement que ma tutrice soit là pour voir ça. Elle est morte. Super, continuons de raccorder des îles. Voilà qui est bien dit. Mario, Luigi, allons-y. Ça va vraiment si peu parler que ça, c'est bien. Pourquoi il y a un... genre un chargement? Oh. J'ai du 9. Moi j'ai du 8. On revient tout juste du grand phare de la mer luxuriante. J'ai nourri un gobet phare de Farfurax et je l'ai posté comme garde. On a cru voir quelques ahuris qui s'imaginent pouvoir passer, mais ils ne font pas le poids. Très bien, ces types étranges à la face velue, mais ils lui coupent toujours la parole. On va les faire payer. C'est censé être quoi le truc rose? Mais même le truc violet, c'est censé être quoi? Parce que le truc vert, c'est une prise. Ah, le truc violet. Ah, je sais ce que c'est. Le truc violet, c'est une prise jack. Vous savez, genre pour les casques. On dirait son bras, c'est la prise jack femelle. Et sa tête, on dirait la prise jack mâle. Par contre, le truc violet, je sais pas ce que c'est. Me dites pas que c'est genre juste les espèces de bitonio qu'on met pour que les câbles électriques y restent bien collés contre le mur. Si c'est ça, c'est un peu ridicule. C'est tous des trucs, genre des trucs métalliques ou genre en or qui diffusent du courant. Et lui, c'est un petit truc en plastique qui est même pas obligatoire, qui est juste là pour pas que ça fasse moche. C'est peut-être ça. Hein. Prenez garde. Oui, mais Massa, il a le visage de l'astre noir, mais ils ont aussi, genre c'est aussi deux pieds en tasma, l'astre noir, ils ont toujours la même vibe, les méchants de Mario Luigi. Hein? S'ils essaient réellement de raccorder les îles, je vais devoir vérifier ça par moi-même. Ok. Retour au... je sais plus comment ça s'appelle. Navist. Oh! Ça change même l'ambiance. Oh, c'est trop beau. Il va peut-être y avoir une mer de nuit un moment. On doit trouver la prochaine île. Oh yeah. Oh! Il me laisse déjà tranquille. Oh, c'est incroyable. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas un truc... Non, c'est pas ça que je veux. Non, continue. Que je veux voir s'il n'y a pas un truc que je pourrais observer. Ah merde, merde, non, j'aurai pas le temps. Ah. À mon avis, c'est Mario et Luigi, voyez le centre de Bowser. Oui, on s'en fout. Non, continue. À mon avis, c'est Monsieur Block. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est Monsieur Block qu'on va voir là. Vas-y. Alors. Où est-ce? Hein? Attends, c'est ça que j'ai vu là? Mais non, ça c'est la grande île. Attendez. Oui, non, mais moi je veux pas aller à la grande île là. L'île du grand phare, non. Attends, on a déjà l'île du grand phare? Je vois bien l'île du grand phare, mais. Bah oui, on peut pas y aller, elle est bloquée. Pourquoi est-ce qu'il y a un mur tout autour? Bah pour pas qu'on y aille. Il y avait un sous-sol glauque sur la dernière île du grand phare. Est-ce que ces crapules nous mijotent un sale tour ici aussi? Même si on s'approche, on n'arrivera pas à franchir le mur. Moi qui espérais que ça serait facile, une fois arrivé au grand phare. Et si on passait par-dessus le mur? Ou encore mieux, si on le faisait exploser? On va avoir besoin de Bowser. Comment on pourrait faire? Non, t'as pas d'idée là. Hein. Il y a de nombreuses îles dérivantes dans la mer barbouillée. Il y aura peut-être quelqu'un sur l'une d'entre elles qui pourra nous aider. Je crois que le mieux à faire, c'est de chercher les îles dérivantes et les raccorder. Partons là-dessus, ok? Ça serait bien de croiser un inventeur, ou bien un ingénieur, ou un mécano. Ou tout à la fois, ou Bowser. Aïe aïe, voguons sur les flots et ouvrons l'œil à la recherche d'îles dérivantes. Sauf que j'ai vu un truc. Bah il est où? Non mais en fait c'est ça. Mais non mais en fait je peux pas y aller. Mais je veux faire ça maintenant. Comme ça au moins on est débarrassé la prochaine fois. Ah merde. Ah c'est pas des quêtes limitées. On les fera tout à l'heure. Je veux juste observer le truc. Comme ça, on est débarrassé. Parce que ça m'énerve, ce truc. Ah ouais, ça a l'air long. Il va y avoir pas mal d'îles, je pense. Ah non? Non, ça va aller, en fait. Par contre, on n'est jamais vraiment très libre. J'ai l'impression que la majorité du temps, tu choisis pas où tu vas, en fait. Genre...
T'es un peu obligé. Vas-y. Et là, où est-il? Bah. Ah, voilà. Yes! Donc non, Monsieur Block n'est pas dans le jeu. Mais voici l'easter egg. Très bien, bah écoutez... Attendez, je voudrais juste... Moi, je veux tout explorer. Ça me saoule si je le fais pas. Je mets ça par défaut. Et on terminera ça ce soir. Non, stop. T'as pas besoin d'être en turbo. Je me mets juste sur l'écran d'émission. Comme ça, j'oublierai pas. Et voilà. Et bien voilà, cette vidéo de Marie-Louise l'épopée fraternelle est terminée. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, commenter, partager, de vous abonner. Et à demain pour la suite. Salut!